Donc on a eu plusieurs idées. Créer des espaces protégés sur les rives avec réinsertion de la faune et de la flore et des chemins de randonnée donc, tout au long de la Loire. Un moyen de relier les berges ou les espaces naturels pour éviter la consanguinité des animaux. Sinon on avait pensé à mettre des saules, donc c'est des arbres qui possèdent de très grosses racines pour maintenir les berges, pour éviter qu'elles s'écroulent. Voilà, la place des rochers, tout ça. Alors, on avait pensé à faire des bâtiments écologiques, donc pareil, avec des jardins sur les toits. On avait pensé à faire une hydrolienne, donc utiliser le courant de la Loire. Et pareil, de l'acrobranche, entre l'île de Nantes et Nantes, pourquoi pas.